sera partagée au
Toi, tu mourras si tu t'aimes plus, et Israël sera déporté au milieu de sa terre. Parole du Seigneur. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les cieux. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'offre, plus savoureuse que le miel qui coule derrière. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Le prêtre de Bethel.
peut-être être en lieu de culte, sans sanctuaire, comme on dit aujourd'hui, sanctuaire de Congo. C'était un lieu de culte qui remonte déjà à l'histoire patriarcale. Par exemple, Jacob déjà resté en souvenir de son expérience en ce lieu. Il avait eu une vision de l'échelle reliant ciel et terre, et sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient. Faites donc, et pour lui, Jacob, le signe de la présence de Dieu, de la maison de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une transition de lui. Donc, il y a eu la division entre le nord et le sud, c'est-à-dire la Samarie et la Judée, qui était provoquée par Jéroboam Il y a eu un schisme, une division entre Juda et Israël en 933. Jéroboam I est déjà à Bethel, un lieu de culte autonome, pour marquer son indépendance culturelle à l'égard de Jérusalem. Donc, il y a une tension politique. Deux rois qui se réclamaient, l'un d'Israël, l'autre de Juda. Celui, le roi du nord de Samarie, ce roi a dit qu'il faut qu'on prenne notre indépendance par rapport à Jérusalem. Plus question d'aller à Jérusalem. C'est toujours une indépendance culturelle. Cette initiative de Jéroboam, il faut le dire, était anticonstitutionnelle. C'était anticonstitutionnel, puisqu'elle portait atteinte au commandement du Deutéronome relatif au lieu. C'était vraiment anticonstitutionnel. C'était anticonstitutionnel parce que la centralisation du culte était à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'il y avait le centre du culte. Pas à Samarie. Depuis les années, c'était génial. C'était anticonstitutionnel parce que le recrutement du personnel clérical était réservé à la tribu de Lévi, exclusivement à la tribu de Lévi, pas à ceux qui sont au nom, pas à Samarie. C'était anticonstitutionnel parce que le calendrier liturgique légal venait de Jérusalem. Ça a été des années. C'était un peu constitutionnel parce que le rejet de beaucoup de l'esprit d'idolâtrie à Jérusalem n'y a pas d'idolâtrie. Or, dans le sanctuaire de Bethel, on voyait de l'idolâtrie là-bas. Le veau culturel rappelait la rébellion du désert. Et le prophète Osée s'en prendra d'ailleurs ouvertement au veau de Samarie. Je vois un adorer ce veau, et beaucoup de voix le suivirent, dont je vois deux, on va vous avec le conseil. Donc, c'était pas une constitution. Et il fallait aller dénoncer ça. C'est ce que vous dites, annonce pas fait. Il fallait dénoncer cette séparation là qu'on veut faire à cause de l'indépendance que je vois apporter au nom et supporté par. Le prêtre. Alors, Amos, qui était un prophète, est originaire de la Judée, donc en Amos. Mais il a été envoyé en Israël, en Samarie, où il y avait déjà Amasias, qui était le prêtre du sanctuaire. Et comme lui est un prophète, il fallait dénoncer ça. Alors, c'est quoi? Son problème avec Amasias. C'est que Amasias a remarqué que Bethel plutôt incarnait une rupture intolérable de l'unité religieuse. Voilà, Amos a dit qu'il y a une rupture radicale qu'on ne peut pas tolérer de l'unité religieuse. La centralité de l'unité de la religion, c'est Jérusalem, pas Amasias, pas à Bethel. En s'en prenant au culte autonomiste d'Israël, Amos empiète
sur l'indépendance du Royaume-Uni. Dès que le moins, le sentiment du prophète, du prêtre Amasias, d'où sa dénonciation devant le roi Jéroboam II, et même pas là. Donc, il n'était pas content que Amos vienne là-bas, plus particulièrement au sanctuaire, dénoncer cette scission que l'on est en train de créer, surtout pour le mot qui crie. Et il dit à Amos, ce que le roi a dit, alors qu'il parle, c'est pas le roi qui n'a pas dit. Il dit à Amos, Amos, il dit au roi Pédé, Amos presse la révolte contre toi. En plein royaume d'Israël, le pays ne peut plus supporter tous ces discours. Car voici ce que dit Amos. Le roi Jéhovah périra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre. Alors, le grief fait à Amos est d'être un conspirateur, c'est-à-dire un comploteur, un agitateur politique qui met tout le pays en émoi. C'est comme ça que Amasias va la jouer. Il va dire à Amos, voilà ce que le roi a dit. Voilà quelqu'un qui est arrivé ici, il est un conspirateur. En fait, Amos n'a jamais annoncé la mort de Jéroboam II, jamais. Et il est mort d'une mort naturelle. On peut vous dire que Amasias a fait de mentir. Amos annonçait plutôt la fin de la dynastie royale. Alors, le vrai problème de Amasias et Amos, c'est que Amasias était jaloux. Il pensait que celui-ci, Amos, trouvait de l'intérêt dans sa prophétie. Le fait de venir, essayer de se débattre, de venir au nord et d'aller prophétiser là-bas, c'est pour avoir de l'argent. Il vient là-bas, c'est pour trouver un bien. Alors, Amos a dit, il n'a qu'une fois de connaître chez toi. Il aille chercher son bien-aimé dans sa partie d'origine, c'est-à-dire à Jérusalem, dans le pays de Judas. Allez-y, c'est là-bas que tu vas gagner ton bien. Dans la pensée de Amos. L'intervention de prophétiser est fondée sur le fait qu'il s'agit d'un sanctuaire royal, d'une maison royale. C'est donc le Bethel est sous la juridiction royale et que rien de ce qui s'y déroule n'échappe à l'arbitrage du roi. Donc on peut penser qu'Amasias a reçu l'aval de la loi et conduit à Amos pour envoyer Amos. Ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas le roi qui a dit à Amasias, va renvoyer Amos. C'est Amasias qui fait ça, parce qu'il est jaloux de Amos, pensant qu'il était venu pour chercher de l'argent. Alors, dans le texte, nous avons entendu la réponse d'Amos en deux points. Il lui annonce, il fait allusion plutôt à son passé. Et deuxièmement, il fait une prophétie contre Amasias. Donc, nous sommes passés de faire comprendre à Amasias qu'il était bouffier, donc il avait du travail. Donc, il gagnait son temps, il avait un métier. Et que c'est donc dans l'exercice de sa fonction que Dieu le prend pour être prophète. Il n'est pas venu chercher de l'argent. S'il avait cherché de l'argent, c'est de l'argent, c'est de l'argent, c'est un bouffier. Donc, ne pense pas que je suis venu ici pour rechercher de l'argent. Je suis venu dénoncer une scission qu'on est en train de créer entre le monde et le sud. La centralité culturelle se trouve à Jérusalem, pas ici. La deuxième réponse, Amos se comprend à Amasias. En réputant le prophète, il réputait Yahvé lui-même, de qui Amos tient son mandat. Et le sacrement de Dieu va atteindre Amos, dans sa famille, dans son patrimoine terrien et dans sa personne. Et tout ça, il parle de l'ensemble de la Samarie. Il a d'ailleurs un exil, ce qui est symbolique pour parler de l'exil de la Samarie. Alors, une très belle histoire pour montrer la tension qu'il y avait entre les hommes de Dieu, les gens qui étaient là, qui travaillaient pour Dieu et qui se sont trouvés. Alors, nous avons oublié pour tous
tout ce qui œuvre pour la promotion de l'Église, il est vraiment un bon endroit. Prenez et
l'annonce. Car ce signe a beaucoup de mon sang. Le sang de l'annonce me l'éternel. Et cela va être beaucoup de la nourriture. La bénédiction du péché. Vous ferez cela en mémoire. Thank you.
parole du Seigneur. Voici la loi de Dieu qui en est. Bye.